Pourquoi on insulte les gentils? Pourquoi on les maltraite? Pourquoi on leur tape dessus? Ils sont une provocation ambulante. Eh ouais. Quand vous êtes, vous, en difficulté, que vous avez dû vous fermer sous les coups de la vie et que vous êtes devenu dur, vous savez très très bien qu'il y a quelque chose qui est maintenant interdit, cette sensibilité et le fait de pouvoir faire confiance encore et encore. Alors, quand vous êtes dans cette dynamique de la fermeture qui vous a permis peut-être de réussir, de vous imposer, d'avoir du pouvoir ou d'être quelqu'un dans qui on peut avoir confiance, quand vous voyez arriver une personne qui sourit, qui n'a pas grand-chose, et alors si en plus elle a réussi en étant gentille, elle, quelque part, elle vous fait tellement mal parce qu'elle vous montre ce que vous avez dû quitter pour pouvoir survivre. Oui, les gentils, c'est des êtres courageux parce qu'ils ne ferment jamais le cœur. Quelles que soient les épreuves et les larmes de la vie, ils croient encore au soleil qui revient. Et ce qui fait que ce n'est pas une personne qui peut détruire leur ouverture. Non, ils sont toujours dans le schéma de demain. Demain, ça sera beau. Demain, ça sera différent. Cette personne est différente. Donc, en fait, ils sont dans ludique chaque fois. Celui que je rencontre n'est pas le même que l'autre. Pourquoi je vivrais la même chose? Vous voyez? Donc, cette curiosité d'un événement qui est toujours différent fait d'un gentil un être qui avance dans le monde avec cette joie au bout du cœur. Et ce sont ceux-là qui traversent ces périodes tellement difficiles et permettent à l'humanité de fleurir après. Dans une prison, vous avez deux ou trois gentils, dans ce cadre tellement douloureux hein, qu'on voit dans les camps et autres, eh bien c'est eux qui sont la lumière. Car malgré l'horreur, au lieu de se fermer, ils ouvrent encore plus leur cœur vers celui qui est à côté. Comment on devient gentil quand on a tellement souffert et qu'on s'est fermé? Eh bien c'est ça, la réunification avec soi. Et c'est ça, l'homme qui marche debout. Allez, bonne journée.